Olivier, ça fait 15 ans que je travaille pour CBA en tant que développeur chef de projet. Bonjour, Guillaume Mottini, ça fait maintenant 18 ans que je travaille pour CBA Informatique en tant que responsable qualité. Alors pour moi, un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait comprendre les besoins du client, qui fait preuve de curiosité et qui aussi fait preuve de rigueur dans la réalisation. Et c'est surtout quelqu'un qui ne génère pas de bugs. Le logiciel qu'on va développer pour Cœur de Gazelle est destiné aux professionnels médicaux de la caravane. L'idée, ça a été de digitaliser complètement le dossier patient pour éviter le papier. Et le but ultime, ça sera de pouvoir sortir rapidement et de façon efficace des statistiques pour l'OMS. Alors les phases qui ont permis de réaliser ce logiciel, on peut les décomposer en quatre en fait. On va retrouver la première phase qu'on a faite l'année dernière, où on est allé au contact de la caravane médicale. On a suivi comment travaillaient les professionnels de santé, on est allé aussi au contact des populations, voir de quoi ils avaient besoin. Et en fait, ça nous a permis de recueillir en fait, toutes les informations qui nous permettraient ensuite de rédiger des stories. Donc, ensuite, c'était l'étape 2. On est revenu ici. Avec le cahier des charges, voilà, qu'on a présenté aux développeurs, qui ont travaillé pendant à peu près deux mois pour sortir un logiciel. Ensuite, on a eu une phase de test ici, là, en interne. Là, nous partons dans quelques jours pour la phase de bêta test, comme on dit. Pendant la nature, voilà, on va pouvoir expérimenter tout ça avec les utilisateurs. On aura des remontées, quelques modifications, et une fois rentré, on terminera ce logiciel pour qu'il soit parfait pour l'année prochaine. Il n'y aura plus besoin de nous. Voilà.